Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Battle Brother. On est parti pour retenter le challenge Lone Aminu. On va essayer d'avancer un petit peu. On s'en était pas trop mal tiré la dernière fois jusqu'à un combat un petit peu désespéré pour une caravane. C'est souvent sur une caravane que ça chie de toute façon. En tout cas pour Xebu c'est moi. Donc on reprend comme d'hab à Falstfenst. On va prendre le chien je pense. Sur ce run, on va pas oublier de l'équiper, de faire nos niveaux. Est-ce qu'on prend un petit peu d'outils directs? Ils sont pas si chers les outils. Est-ce qu'il y avait... Là il y a un workshop, non, un horse melter. Tac tac tac, oui j'allais dire où est le workshop, mais non. On repart de zéro, donc pas de soucis. On va équiper ça, on va faire nos perks. Je vais garder ce setup de départ. Qui me plaît franchement plutôt bien. La haute résolution, je pense, vaut vraiment le coup. On prendra le 4. En attendant, on va monter notre défense. Voilà, prendre le 4. Tac, tac. Et tac. Ok, c'est pas mal. 11, c'est pas tant hein, sans bouclier, mais c'est pas trop dégueu quand même. Et salut Squash, bienvenue sur le live. Ça on va pas le prendre, on va garder notre fatigue, on verra si on le met à un piou-piou. Du coup, est-ce qu'on repart dans la pampa? Je trouvais ça intéressant, on va repartir dans la pampa. Ça va plutôt bien marcher, et puis la quête là-bas pour gérer des bêtes est pas ouf. En vrai. J'espère que tu vas bien Squash depuis 10 minutes qu'on s'est parlé sur Steam. Et que ton challenge se passe bien. J'ai vu que t'avançais pas mal, hein. T'as fait jour 40, c'est ça, au maximum. Un raider et beaucoup de thugs. Oh, allez, ils sont là. On y va, on n'a pas peur. Go. À l'arrache. On va essayer d'aller prendre cette position, probablement. Ou peut-être plus reposant, celle-là. Qui est à peu près kiff kiff. Est-ce qu'ils ont des armes à 2 de distance? Il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on les voit tous. Ils n'ont pas d'armes à 2 de distance. Donc on peut se poser là. Il n'y a personne qui pourra se mettre ici. On va se mettre là. On va pas sortir le chien. On va attendre un peu qu'il vienne. Ça, c'est le raider. Hein, ouais. La première touche. Un petit troisième peut-être. Voilà, parfait. Notre morale tient pour le moment. On envoie un petit swing des familles. Ça fait le taf. T'en es au jour 42. Ah oui, pas mal. Ton Lone Wolf est niveau 9, les 5 autres niveau 4-5. Et tu viens de débloquer les contrats nobles. Ouais, c'est propre, j'avoue. C'est bien joué. Bon, après, clairement, je regardais un peu les heures de jeu ce matin, j'ai quand même 133 heures de jeu sur le jeu, je suis pas un piou-piou, mais ah non, le stun, ça c'est la mort, ça. Ouais, alors les stuns, c'est peut-être la fin du run direct. Hein. L'autre qui me poncture la moitié de ma vie en plus. Ok, ce run va peut-être être rapide. Dommage, on avait une bonne position défensive, mais on est tombé vraiment sur un sale enchaînement là de coups. Le mec qui nous met un coup de poignard et l'autre qui nous stun. Et du coup on a tellement encaissé qu'on peut même pas faire de swing. Ok, on va essayer de se débarrasser. Bah le bateau je l'ai pas trouvé Squash. Ah non tu veux dire naviguer. Oui c'était mon prochain test. Mais ça a bien marché la pampa dans mon run d'avant. C'est le run qui a le mieux marché pour le moment. On est tombé sur un petit campement qu'on a pu gérer assez facilement. Mais là, c'est les stuns, hein. Les stuns, c'est vraiment le coup de pas de bol. Hein. Franchement. Après, c'est un challenge qui fait qu'au début, le start, il est vraiment hyper dépendant de la chance. Alors, la sauvegarde, tech, on va ici, hop, et on relance. C'est parti.
Mais du coup, ouais, je vais tenter le bateau. On va prendre quand même le chien, faire nos niveaux, bien sûr. Hop. Est-ce qu'il y aura un truc plus efficace? Ça, c'est pas ouf ici, mais étant donné qu'il faut déjà taper. La fast adaptation. Non. Enfin, ça pourrait être bien, mais. Au début, il faut survivre pour pouvoir taper. Il y a le Nen Live éventuellement, mais. Étant donné que de toute façon, quand on est cerné par des ennemis, on en prend plein la gueule. Éviter une fois de mourir pour se reprendre de toute façon 3-4 autres coups derrière, ça sert à rien. Non, je pense qu'on va rester sur. Pas le Dodge, le Fortified Mind et le Brawny. Notre initiative avec notre méga armure, de toute façon, ça va pas être pas trop le trip. Et salut Alastre, hein, bienvenue sur le live, hein, j'espère que tu vas bien. Là et... non, la défense. La défense, ok, on va donc suivre cette petite route. Tu veux un run à ton nom? Eh ben écoute, on vient de lancer ce run là, donc je te renomme du coup, pas de soucis. Ce sera Alastre. Alors je te préviens, avant que tu arrives, on a fait un autre run déjà, hein, dans les 5 minutes qu'ont duré le live. Ouais, mais après, si je fais ça, genre la dernière fois, j'ai suivi la caravane, là, tu me dis que je triche. Donc, faut savoir. Donc ici, on va vérifier, mais c'est toujours la quête des bêtes. Alors celle-là, on sait que selon les bêtes, ça peut passer ou pas, mais on va essayer de chercher un truc plus fiable. Qu'est-ce qu'on a comme endroit? Tenkai. Sankai. Sankai, j'aime bien ce nom. Ce nom j'ai confiance dans ce nom. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Ok, ça peut être pas mal. Récupérer un petit Crystal Skull, j'aime bien l'idée. On va le faire. On va regarder un peu ce qu'il y a. Un Fletcher. Un barbier. Niveau équipement, il n'y a pas vraiment de raison d'en prendre. Un pêcheur, c'est quoi ça, un moine? Ouais. High Resolve, mais bon, c'est pas trop le trip pour le moment. C'est quoi mon record de durée? Bah, c'est le run avec Gaelden hier, mais j'ai oublié de regarder combien de temps il avait duré. Je vais aller jeter un oeil vite fait, allez. Puff. Rapidement, histoire d'avoir une référence. Donc c'était avant le dernier combat là sur la caravane. On s'est fait surprendre en fait. C'était 9 jours visiblement. C'est pas mal 9 jours. Allez, on va aller récupérer le crâne en cristal du monsieur. Et mettre quelques fessées. Au pire, il y a une watchtower ici s'ils ont l'air un peu trop énervés. Alors ils sont combien? 7. Bon, ils vont pas nous suivre ceux-là de toute façon, donc il faut qu'on y aille. En pleine, est-ce qu'on a un petit truc? Ah ouais, c'est pas si mal. Bon, le mieux ce serait celui-là bien sûr. Mais on pourra pas l'atteindre. Alors si on avance, ils vont venir derrière nous. Hein. Est-ce qu'on peut atteindre là? Non, on peut pas atteindre là, donc c'est con. Alors ils vont venir un peu autour, mais on aura quand même un peu d'avantage sur certains. La question étant bien sûr, est-ce qu'on les laisse taper en premier? Ceux-là, on peut les tuer en un coup. Hein. Après, il y en aura deux qui seront surélevés, on peut mettre le chien. Ils vont arriver avant qu'on mette le chien, mais on aura fait des trous si on peut tuer. On va tenter le... l'avoinage. Que mine de rien, perdre en morale direct, ça peut aider. Hein. Ah. Le jet de morale qui passe pas. Il y en a un qui peut nous stun là. Ok, ils nous ont laissé la place là, donc là on va poser le chien. On va faire un petit
swing sur ceux-là. Ouh, excellent. Excellent. Ça, ça fait plaisir. On va aller chercher lui. Ok, ils ont réussi à s'échapper. Bon, on va pas le... Ah, on a le chien, ça pourrait valoir le coup de poursuivre. Non, ils sont deux. Il a pas réussi à les retenir. On va s'arrêter là. C'est déjà plutôt pas mal pour un premier fight, pour le coup. Ça fait plaisir. En plus, on récupère une armure pas dégueu. Allez. Allez, ramenons ça. 350 jours dans ton run non terminé, c'est pas mal. Ça fait quoi, au moins deux crises de fin de game, si ce n'est trois, non? Je regarde vite fait, mais niveau équipement, on a une short sword, ouais. Pas ouf. Ça pourrait faire de quoi équiper quelqu'un, mais... étant donné qu'au début, moi, je veux quelqu'un qui porte un bouclier. Ouais, mais il aurait pas... Il en aurait eu 15, quoi, j'aurais laissé. Mais ils étaient deux, il allait courir dans tous les sens. C'était pas intéressant, je pense. Enfin, pas intéressant, toujours pareil à regarder, quoi. Tac tac tac, donc une petite caravane pour à peu près un jour, ok, la deux crânes c'était quoi? Vas-y dis. Des ruines. Qu'est-ce qu'on a ici du coup? On avait un servant. On va prendre un petit fisherman éventuellement et on lui file un bouclier puis il nous aide à tenir un peu la ligne. Quitte à ce qu'il meurt. On peut acheter 110 un petit bouclier ici, c'est pas mal. On va prendre, allez. Baldur. Rejoins-nous Baldur. Et du coup on va prendre cette quête là. Alors, Baldur. Baldur, tu vas prendre un bouclier. Tu vas garder ça parce que ça peut permettre quand même de d'aider un peu. Et en termes d'armes, on va te filer ça et ça. Et je suis sûr que tu vas très très bien t'en tirer. On a toujours le chien, on a toujours le chien. Alors, c'est où qu'il veut qu'on aille? Ah, il nous a pas dit, merde. The Ruined Amber Collector. Ah si, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu, c'est le... Il y a un truc de collecteur d'ambre qui doit être en ruine quelque part. Où est-ce qu'il est? Ça, c'est l'herbaliste. Oh, il doit pas être si loin que ça. J'ai lu trop vite en anglais, là. J'ai lu Ruined, je pensais à une ruine, mais non, pas du tout. Ça, c'est le port, on est d'accord. Dans les montagnes, peut-être? C'est bien à côté de la ville, ouais, Sankai, c'est bien cette ville-là. Tac, tac, tac. Ouais. Il est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nanana... On dirait qu'il n'y a personne, mais il n'y a pas vraiment de preuves qui viennent juste de partir. Bah écoutez, au moins, pour le moment, ça nous aura pas coûté grand chose. Il va. C'est parti. Bah, écoutez. Ça, c'est le genre de quête qu'on aime bien pour démarrer, mais s'il n'y a pas trop d'XP à la clé, ça fait des sous. Du coup, la question. Est-ce qu'on prend la caravane? C'est une petite caravane. Hein. Franchement, c'est une petite caravane, ça peut se faire. On n'a pas un petit casque, là, pour lui. Alors, les outils, c'est un peu la dèche. Une blinde les outils. Bon, ouais, tant qu'à faire, je préfère acheter un Acleton. Allez, on va lui prendre un petit casque parce que bon, on a quand même envie qu'il meure pas direct.
On va se mettre sur le côté, mais c'est toi qui vas prendre le flanc de gauche plutôt. Allez, on tente la petite caravane. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Et si ça foire, et ben ça foire. Ce challenge, c'est une occasion pour moi de revenir sur Battle Brother que j'ai pas pu toucher depuis très longtemps, hein, que j'avais jamais trouvé vraiment d'envie ou d'occasion de toucher. Mais j'ai envie de reprendre le jeu en main, hein, tranquillement. Le challenge en lui-même, c'est pas grave si on suroptimise pas, quoi. En tout cas, pas tout de suite. On verra plus tard. Et oui, il est très très bon le jeu, je suis d'accord. Ouais. Ok, bah parfait. Un petit bled. Alors, ils brûlent des sorcières, ils sont well supply du coup, logique. Un armurier. Alors c'est pareil, ça fait très longtemps. Moi du coup, j'ai quoi comme armure? La Swell Sword à 260, qui est pas mal déjà. Qu'est-ce qu'on a de mieux? Il y a celle-là, donc c'est la seule qu'on a. 230, 230... Ouais, globalement, il faudrait passer vraiment un tir au-dessus, quoi, entre guillemets. Donc lui n'a pas ce qu'il faut. Et en termes de casque, ça c'est 100, on a plus de 100, non? Non, on a 70 peut-être? Non, on a 210. Et on a bassinet. Je crois qu'il y a que le full helm qui est meilleur que le bassinet. Ah, il y a un petit 230 là, éventuellement. Bon, niveau équipement, pas de soucis. On recrute personne, on a une personne, ça suffit pour le moment. Alors. Excellent, encore un Crystal Skull, bah il y en a du Crystal Skull dans le coin. Ah, on est devenu pote du coup, parfait, ça met un petit peu de morale. Une première ambition de fête. Ils sont 7. Alors la question c'est, la dernière fois on a survécu parce qu'on était seul, là est-ce que notre piou-piou va survivre? C'est pas forcément dit. Ok, on va sans doute se replier par là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est pas mal mais c'est un peu loin. Ok, on va se mettre par ici. Là, on aura une belle zone pour faire un swing sur trois qui sont en bas. Je pense qu'ils vont pas venir ce tour-là, du coup. Pour voir les évolutions des armes et des équipements, je te conseille d'ouvrir à côté le fichier... Ah oui, le fichier des métadonnées, ouais, je l'ai vu, effectivement, mais... T'as raison, faudrait... Mais ça, c'est pas considéré comme de la triche, du coup, quoi. C'est pas considéré comme un mode et comme de la triche, du coup. Je suis un peu surpris. Je te taquine. Bon, on va se prendre quelques tentatives de taper. Ils nous tapent à 34, ça va. Alors ils vont faire tout le tour par la montagne. Est-ce qu'on a quelques-uns qui viennent se coller quand même? Ce serait quand même gentil de venir se coller. Alors il y a qui a pas joué. Ouais. Ils vont jouer avant nous, donc on va reprendre le bouclier. Du coup là, 61, 86, allez, on va commencer à attaquer leur morale un peu. Là, je me tâte à mettre une petite riposte. Allez. Lui, il a une foutue dague. Lui, il peut nous stun, attention. Oh non! Sérieux? Putain! Bon, bah c'est la mort! Parfait! Allez, rate-nous! Ok, il nous a pas stun, c'est déjà pas mal.
Va falloir qu'on ventile là, du coup on a pris trop de fatigue. Ça me fait 15 de fatigue de lâcher le chien. Putain, bon, faut qu'on diminue un peu avant. On va taper celui-là. Le stun en early game, c'est vraiment le truc qui tue un renard. Il y a zéro discussion là-dessus. Voilà, on fait tomber un peu le moral, mais vu notre armure... Ouais, oh putain, l'autre nous a puncture en plus. C'est la mort. C'est le décès. Désolé Alastre. Tu n'as pas tenu, mais 54 points quand même, c'est pas mal. Alors, tac, la sauvegarde. On la remet ici. On lâche pas l'affaire. J'ai même pas compté le nombre de runs que j'ai fait d'ailleurs, j'aurais dû. On va t'appeler Alastre 2. 23. Voilà, Alastre 2, c'est bien Alastre 2. Tac. L'initiative non, franchement. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire qu'on laisse un peu de côté la résolution, on booste plus notre défense ? On va tenter. On a quand même 67, c'est pas si mal. Il m'envoie au suicide, comment ça? Tu travailles, c'est tout? Je t'ai absolument pas envoyé au suicide, n'importe quoi. Vu que ça coûte que 200 balles, on va prendre des outils ici aussi. Puisqu'on prend pas de browser et qu'on n'a pas de salaire à payer. Allez, viens petit chien. Et par contre, 15 de fatigue pour le charger, ça fait chier. Et moi j'ai envie de repartir dans la pampa. J'ai bien aimé mon run dans la pampa en fait. En faisant assez peu de contrats et en n'ayant que le mec tout seul, c'était rigolo. Peut-être pas optimal mais rigolo. Est-ce que marcher dans la montagne est le plus optimal par contre? Ça je ne suis pas sûr. On va aller faire un tour sur ce marais là. Oh, coucou. À l'astre 2, quelque chose me dit que tu vas pas t'en sortir là. Ça va être compliqué. C'est pas un raider ça? C'est un raider ça? Sérieux? Allez, pour la foi et le pays. Cet échec critique. Franchement, j'ai pas d'autre mot que cet échec critique là. Et lui, il a du cul, hein. Ça, franchement, c'est excellent. Les mecs, ils font le taf à notre place. Est-ce qu'on se tente un swing? On a que 31%, et là, on a 41%. Ouais, c'est pas ouf, hein. J'aurais bien voulu me débarrasser de lui, vu qu'il peut stun, mais on va tenter un coup comme ça. Bon, visiblement, il y a que lui qui veut piquer. Lui, il est ouf de résistance. Allez, on va sortir le chien pour commencer à mettre quelques chances de toucher. Pourquoi c'est apparu d'un coup? Le chien, il a une vision comme ça? C'est sérieux? Excellent. Oh, ça fait mal au cul. La vache. Pauvre chien, quoi. Alors lui, il a pas remis son bouclier. Ah merde, on se rate. Dommage, il était wavering, ça me paraissait une bonne cible. Bon, il va fixer un peu, mais là il s'est un peu trop rapproché, à mon avis il va se faire défoncer. Il a pris trop cher. Non, il me tire dessus plutôt. Intéressant. Ah bon, voilà, bon, ok. Heureusement, Chobiti n'était pas là pour voir ça. Allez, remet son bouclier, ce con. Nous, on va essayer de se faire celui-là, voilà. Toujours lui qui nous protège un peu de ses potes. Lui de lui non normalement, mais c'est quand même lui qui prend. Parfait. On dirait que c'est lui qui vise quoi.
Par contre, du coup, ouais. Le bouclier, plus il tape pas, ça va être relou. Il va laisser les tireurs faire le taf. Bon, pour l'instant, les tireurs, c'est lui qui tape, donc ça me va, mais... Oh, ils ont le truc de récupération de fatigue, tiens. Il a pas levé son bouclier, on va taper. Parfait. Ah, cette fois il nous touche. Oh non, le dazed. Pas cool ça. Ça fait quoi déjà ça? Moins 25 dommages, moins 25% max fatigue, moins 25% d'initiative. Il a pas levé son bouclier. On va quand même tenter de taper. Raté. Raté, raté. Oh bah. Ça c'est fait. Ah merde, il nous retouche. Parfait. Aïe. Ah, ils sont plus sereins, bizarrement. Oh, allez. Putain. Ouais, ça pourrait passer squash, mais là, je pense pas, là. Ils sont en mode casse-couille. Le jeu me fait rater déjà des 60 ou des 80%. Et c'est le décès. C'est le décès de Alastre 2, qui décidément n'est pas dans un grand jour. Va falloir faire mieux que ça, Alastre. Et salut Gaelden, t'es poli dès que t'arrives, ça fait plaisir. J'espère que ça va. Ça y est, t'as été quatrième sur le Challenge Rim World, tu te sens plus. Hein. Allez, Alastre 3. Ah non, on va faire Gaelden 2, tiens. Gaelden nous avait bien porté chance hier. On va faire Gaelden 2. Bon, après, j'avoue que la bande de Poacher et de Raider qui nous tombe dessus par surprise, c'était quand même pas cool. Hein. On va prendre la petite résolution. On va prendre un petit peu de défense à distance. C'est le risque de vadrouiller dans la pampa. Ah, tout à fait, oui. Je suis bien d'accord. C'est totalement le risque de vadrouiller dans la pampa. J'ai oublié de modifier la description de mon live. J'ai encore celle de Rimworld. Non, normalement, je l'ai modifiée. J'ai oublié de la modifier quand je l'ai lancée, certes. Mais normalement, maintenant, c'est bon. À moins que ça ait chié, mais non, non, là, c'est bon. On est sur Battle Brother, c'est le bon titre. La notification a dû merder parce que... ouais, voilà, je l'ai... J'ai modifié, j'ai oublié de le modifier juste avant de lancer le live, j'y ai pensé genre 20 secondes après avoir lancé le live. Mais là c'est bon normalement. Ouais, c'est là, du coup c'est la notif Discord et puis j'imagine les mails, je l'ai modifié avant la notif Discord pourtant. Hein. Mais Twitch, il est un peu monomaniaque, une fois qu'il a démarré, il modifie plus ses infos. Allez, on va essayer de partir à l'aventure dans un autre, sur un autre port. Tac. Toujours la quête de villageois qui zapper. Ouais. On va essayer d'aller à Stenkai du coup. 20 balles. Ah, il y a plein de quêtes, excellent. Et un crâne en plus, parfait. Une caravane. On va essayer de voir si on peut pas gratter du prix sur autre chose. Ok, ça me plaît bien. Un truc pour retourner un objet, et la dernière... On va commencer par ça, parce que ça peut être parfaitement rentable. Donc faut déjà la trouver, la machine. Donc Lumber Collector, je pensais que c'était dans les montagnes, mais en fait c'est près de l'eau. Ok, ça devait être l'autre côté. Et une
milice ici, pas mal de pêcheurs. C'est une grande ville quand même, Stenkai, du coup. Il est où leur Amber Collector là? Les mecs, t'es de ma gueule? Ah, il est là, ok. Bon, j'y avais de la décreuser, mais c'est pas du tout. Ah. Des araignées. Seul face à 5 araignées. Oh, ça va, avec le chien, ça va largement le faire. On n'a pas de position oufissime. Ça, ça me fait 12, donc je peux quand même reculer un peu, essayer de trouver un endroit. Tant que je vais pas au-dessus de 15, je peux me déplacer. Une fois qu'elle m'a rattrapé, bien sûr, c'est plus la même. Ça, c'est la mort presque à coup sûr, mais non. Squash. Un petit peu de confiance. Elle va saigner à mort, pas la peine de s'emmerder avec. Nous on va mettre un petit swing là-dessus. C'est pas si mal. On fait moins mal, c'est sûr, avec notre toile là, mais... Le chien il distrait quelques coups, mais il est pas hyper efficace contre ce genre de bestiole, malheureusement. Là, on doit avoir une bonne chance. 78, on y va. On a pris du poison. Finir celle-là. Rip le toutou, bah ouais, malheureusement. Alors, toi t'es pas du tout blessé. On va essayer de faire en sorte que elle crève de son saignement. Et du coup après, on va s'occuper de toi. Voilà. Attends, ils font mal à la vie hein, les enfoirés. Hein. Bon, l'autre elle est morte. On va taper sur celle-là. Ah dommage, ah elle est pas morte du saignement, dommage. Ah c'est pas passé loin. Honnêtement, c'est pas passé loin. Alors j'ai déjà réussi des araignées, 5 araignées comme ça avec, ce run squash. Même sans chien d'ailleurs. Hop là. Alors, on va faire du coup... Finalement Gaelan il porte pas chance, on va faire un Alastre 3, voilà. J'ai complètement oublié de noter mes trails, Gaelden. Il faudrait jeter un œil aux vidéos pour savoir exactement. Mais on doit être à au-dessus d'une dizaine, je pense. Une dizaine de trails. Je vais quand même taper sur le moral, hein. J'aime bien taper sur le moral. Et on va laisser tomber la défense à distance pour le moment. C'est pas vraiment notre thématique. Allez, hop là. On va prendre le chien des outils. Équiper le chien. Et on y retourne. On va aller buter de l'araignée. C'est sûr, ça passe. Allez, Alastre. Tu vas prendre la mer. Franchement, les Webneck, t'évites en solo car sinon tu ne sais pas enlever l'étoile donc tu es quasi condamné. Il faut être au moins deux humains. Ouais, mais je suis pas d'accord. Ça peut carrément passer pour moi. D'ailleurs, c'est déjà passé une ou deux fois sur des runs. Si t'as, avec le, en fait, la toile d'araignée, elle te coûte trop cher à enlever parce qu'après tu peux pas taper. Mais ce qu'elle fait, c'est que tu fais 50% de dégâts en moins, ça diminue pas tes chances de toucher.
Et mine de rien, avec l'épée à deux mains, tu fais quand même bien mal, hein. Alors, ça n'a pas changé, normalement ça doit être par ici. Voilà. Ok, et cette fois c'est des brigands et des wardogs. Ok. Ok, ils vont nous fixer direct. Ça, il n'y a pas de doute. Ah, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool, donc on va directement avoiner par là. Voilà, une petite décapitation qui fait plaise. Il y a lui qui va venir. Allez. Et bienvenue sur le live, Tirfos, j'espère que tu vas bien. Allez, butez-moi du chien là. Comme un dimanche, bah écoute. Plutôt pas mal du coup. Lever le bouclier, c'est pas très grave. Là, on peut tenter un swing. On a combien? 61, 50, 72. On va taper sur lui qui est sur Wounded. Et lui qui a... On a une bonne chance de toucher. Excellent. Alors, Tirtos, tu peux faire point d'exclamation event si tu veux pour avoir un petit peu d'infos. C'est un départ Lone Wolf avec une sauvegarde fixe en fait. Et on essaie d'aller le plus loin possible. C'est organisé par le Discord de Xebus. Et Squash qui est dans le live là, il participe. Ah, le event ne marche pas, ok, fantastique. Nickel, j'ai dû foirer un truc. Et bah du coup ne faites pas event. Tant pour moi. Le petit coup de poignard il fait pas plaisir là. Et du coup on est en lone wolf, expert et Lofund pour démarrer. Ok, un chien de moins. Allez, résiste petit chien. Merde. Du coup... Et merci du coup pour le bon courage. Nos chances de toucher sont un peu merdiques là, on a dû prendre une blessure. Ah putain ouais, on a pris la main percée, fait chier. Bon, on a encore une bonne défense, ça va. Alors la main percée, ça fait quoi? Moins 20%. Ah ouais, moins 20%, ça pique. On va quand même se faire celui-là. Voilà, ça en fait un de moins. Dommage, ça a pas affaibli leur morale. Les priorités, c'est lui avec sa dague, là. Alors là, on est sur un combat qui peut durer longtemps. Hein. Il nous touche à 40%, c'est pas assez. Je préférais que ça soit moins. Ok, ça c'est cool. Lui s'enfuit. Lui, le moral s'est cassé la gueule. Ah, il nous touche à la tête. Donc du coup, la deuxième priorité, c'est celui-là. À 47%. Casse-toi, pas de soucis. Là, on touche à combien? 44, ouais. Bon, si on se presse pas les deux, il va revenir. Hein. Ah, il fatigue, lui. Voilà, on va le fatiguer encore un peu plus. Parfait. C'est terminé. Le chien, il va se barrer hyper loin. L'autre, il est fini. Non, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Bon, on fait chier pour la main, mais bon, au moins, on a gagné la quête.
Des petits paysans. Est-ce qu'ils ont un... Ah, ils ont un temple. 160. Ok, bah du coup on verra après avoir gagné la quête. Pour bander la main, quoi. Franchement, les mecs. Non, je pense qu'il m'aurait esquivé. Avec ma main percée, squash, j'avais 40% de chance de le toucher, il m'aurait esquivé. J'avais pas envie, après, d'attendre 3 plombes qui sortent de la map. C'est abusé, c'était passé à 170, alors que je suis en meilleure relation avec eux. Ça, on va garder... Ça, pourquoi pas... Ouais. C'est pas ouf comme équipement, mais de toute façon, on a personne équipé pour le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une caravane. Et... un truc à récupérer. Ouais, bring back the item. Allez. On va pas la prendre tout de suite, par contre, parce que là, on doit pas être hyper frais. Notre armure à 60%, c'est pas si mal. Notre vie... Ouais, on est pas si mal. Ça, ça va être soigné dans un jour. On va camper un peu, mais ouais. La quête tout seul, là, en étant avec une main percée... ça va être pas simple. Essayer au moins de remonter notre vie, ouais. Le casque est soigné, l'armure est à 200. On peut se faire ça. Est-ce que, à tout hasard, barrez-vous, il y aurait un autre chien à récupérer? Non. Un filet? Mouais. Mouais, mouais, mouais. Bouf. Il n'y a pas de chenille? Non, ça c'est un barbier. Est-ce qu'il y a des gens qu'on pourrait recruter un peu équipés déjà? Un fisherman? Un petit fisherman pas équipé à 160. Allez, c'est parti. On l'équipe. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie? Fearless et Swift. Ah bah pas mal ça. Allez, on lui file ça. On lui file ça. Et on va lui donner... Ça, on peut pas le mettre en main principale? Non. Ça, c'est à deux mains. On va lui donner ça. Comme ça, si jamais éventuellement il y a du bouclier, on pourra essayer de taper par-dessus. On va se mettre un peu derrière. Et on va du coup accepter cette quête. C'est parti. Allez les gars, en avant. Enfin, le gars, du coup. Cette sug. C'est parti. Mettons des petites fessées. Ouh, ce placement de chiottes. On est bien dans le trou, là. Bah je pense qu'ici ce serait parfait du coup. Fourcheux là, qui est pas oufissime. Eh, on a plus notre main. Ah si, on a notre main. Merde. J'y ai cru mais non. Allez, venez. Venez, 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 venez. Bon, je m'étais mis d'une case décalée, donc ils vont mettre un peu de temps, normalement. On va lever le bouclier pour le premier assaut. Voilà, parfait ça. Pas un qui veut se mettre derrière, là ? Et là, on a combien de chances de toucher? 66 si on touche à la tête. Ah putain, dommage. 66, c'était un bon score, franchement. Hop là. Alors, j'aurais pu taper lui, mais vu qu'il a pas de casque, je vais garder l'opportunité de taper à la tête. Clairement, ils ont la même idée. Ah, il stun en plus, lui. Ouais, donc on va se débarrasser de lui assez vite. Lui, on lui a fait mal. Il a son moral qui chambranle, il saigne. Lui, il faut qu'on garde de la fatigue pour le bouclier, donc on va se détendre. On va lui enlever un peu de pression, voilà.
On fera un petit swing dans ces trois-là ensuite. Aïe, aïe. Ouais, t'as vu Kusu nous enlève comme armure, toi? Oh la vache! Bah, excuse-moi, et le respect, quoi. Oh, j'hallucine. Ah, la violence! Putain, je l'ai pas vu venir, j'avoue. Ouais, 54, ouais, du coup, bah non, bah c'est la mort. Je pense que c'est la mort, là. Oh, le one-shot du mec avec son bouclier en hauteur, quoi. J'en reviens pas. Bon, bah, échec critique. On a le petit coup de bol du mec qui cale un one-shot et c'est la fin. Ah ouais, là, c'était la violence, là. RIP... RIP x2. Allez, la résolution. Il faut que notre morale tienne. J'ai fait quoi, là? J'ai mis que deux trucs. Hop. De la fatigue, des chances de toucher, la défense... La fatigue, des chances de toucher, de la défense. On va rester à 67, c'est assez faible. Mais on va se faire une petite session pampa pour le plaisir. Allez, viens. Alors, vu qu'on se fait une session pampa, on va aussi prendre des outils. C'est parti. Pour le plaisir. On va essayer de retrouver le campement de la dernière fois. On n'a pas renommé. Voilà, Alastre, tes 1000 points te donnent droit à 4 tentatives. On va dire ça comme ça. Vraiment, il y a une chaîne de montagne qui fait tout le tour là, si je me gourre pas. Ouais. Quatre tentatives de 4 minutes chacune. Ah, les points ne. Ah, il y a un pocheur, merde, ça c'est pas cool. Hein. Pour le challenge, je vais attendre ce que je veux. Oui, oui, c'est tentative illimitée, faut juste essayer d'aller le plus loin possible, Tirtos. Donc si on mettait un nombre limite de chances, ce serait chiant, quoi. Genre t'essayes 10 fois, puis après, bah ok, t'as passé, quoi. Un pocheur. Tu te sens de te faire un pocheur, Alastre? On a le chien, hein, pour essayer de le fixer, une fois qu'il aura tiré un peu sur ses potes. Allez, moi je dis... On y va, on se fait à l'Axébus. Si on pense fort que ça passe, alors ça passe. Voilà, parfait. Une flèche, une touche. Ah, si on faisait ça, en fait, Tirtos, faudrait qu'on fasse régulièrement des challenges, quoi. Il y a lui qu'on peut se faire en se mettant en plus un peu à l'abri. Faudrait que genre toutes les semaines on sort un nouveau challenge, un truc du genre, mais là c'est le premier challenge Battle Brother qu'on a eu l'idée de faire. Qui s'appelle Lonaminu sur une suggestion d'Aminu d'ailleurs, qui est un viewer. Mais c'est clair que du coup c'est tentative illimitée, ouais. Voilà, comme ça il va tirer sur ses potes avec un peu de chance. Lui il va peut-être pas pouvoir prendre de position contre nous. Ouais. Voilà, le moral qui chambranle un peu, là, c'est le point de moral qu'on n'a pas mis, là. Du coup, on va essayer de se le refaire. Ok, ça fait baisser leur moral, nous, on n'a pas remonté. C'est déjà ça. Ouais, le but, c'est de passer, c'est pas d'atteindre, c'est de passer la première crise. Quand déjà, on aura quelqu'un qui aura réussi ça, on sera pas mal. Attends, notre armure s'est cassée la gueule avec leur fourche, là. Pas fourche, pioche. C'est la mort! C'est la mort! Non! Alastre! C'est mauvais, Alastre! Aïe 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 aïe! Alastre! Bah, dans Squash, là, l'armure est partie vraiment trop vite.
Les pioches qui touchent, ça nous a fait beaucoup trop mal. Mais bon, j'avoue, là, on va faire un Alastre 4.5. Voilà. On va faire comme si cette tentative n'avait quasiment pas existé. Tu prends quoi comme start, toi Ah, tu parlais de ta crise de fin de game, ok. Tu prends quoi comme start, Squash, par curiosité? Au niveau du premier niveau. Du coup, on a vu que ça avait manqué, ça, quand même. On va le prendre. On va prendre le toutou, et Alastre, il va aller chercher sa vengeance. La vengeance, Alastre! Alastre, il est tellement blasé qu'il répond même plus sur le chat. Il est parti prendre une bière, là. Personne ne l'aime. Surtout pas les brigands. Tu prends Student, justement, je me demandais, ouais. Du coup, tu vas avec un brownie... Enfin, tu vas sans brownie, du coup. Mais il doit arriver assez vite, le brownie, avec le student. Je serais peut-être un petit student la prochaine fois. Ah, il y a Chobiti qui m'appelle, excusez-moi. Hop là. Le brownie n'offre quasi rien car ton initiative est médiocre. Le brownie, c'est celui qui enlève 30% de... du coup en fatigue de l'armée. Je me suis planté. Je suis peut-être planté. Ah bah écoute, on va regarder ça. C'est pas celui qui donne de l'initiative, c'est Dodge qui est basé sur l'initiative. Ils sont beaucoup trop loin là. Du coup, on va reculer ici, comme ça il y en aura au moins un en bas, on va dire. Ah non, je vais pas venir les mecs. Je suis désolé, mais voilà, là à une case on peut avancer et les taper. Et pour le coup, il y a vraiment personne, il y a aucun ennemi quoi, c'est la teuf. Allez, bim, quasi 3 morts, ça fait plaisir. Ça touche. Bah j'avais pas d'intérêt à aller me foutre par là ou même ici parce que ils sont pas assez nombreux de toute façon. On va finir toi, voilà. Lui il est plus être dangereux avec son poignard. J'allais dire encore faut-il qu'il touche, mais visiblement il a envie de toucher. Voilà, il touchera plus. On a pris cher là en termes de PV, les coups de poignard ça fait mal au cul. Hein. C'est lui qui a le plus de chances de toucher. Allez, hop. Ah, il a tenté de me one-shot, le petit Saligo. Bon, deux blessures. Ça pique le cul. C'est passé, mais alors franchement, c'était beaucoup trop cher. Ah oui, puis j'avais même pas vu, c'est pas le camp, en fait. Ah ouais, alors du coup, c'est la mort, par contre. Non, du coup, Brony... Oui c'est ça, ça réduit. Alors ça réduit la fatigue et l'initiative, la pénalité de fatigue et l'initiative de 30%. Ça nous permet normalement de monter à 74 de fatigue au début. À peu près. Ou 81, je sais plus. Non, 74 après les niveaux 81. C'est pour ça que ça me plaisait bien pour commencer. Mais c'est vrai que le petit student... Bon, du coup, somme, c'est entre 4 et 6. C'est tendu, là. Hein. L'armure, elle a bien dégrouillé. On est bien blessé. On a 40% de fatigue en moins. Ouais.
Essayer d'atteindre la ville au nord, du coup. Tant pis, on viendra éventuellement. Toi, tu prends le chien et tu te payes une formation pour ton XP. Ok, c'est vrai que je le fais jamais, ça. Enfin, je l'ai jamais fait. C'est vrai que dans le contexte du Lone Wolf, c'est pas déconnant d'avoir de se payer un petit boost d'XP. Que le student joue sur ça? Non, c'est From Battle. Uniquement depuis les batailles. Mais c'est 20%, tiens, dans ma tête c'était 10. Ça a peut-être changé depuis la dernière fois que j'ai joué. 50% sur un combat à 1 vs 7, c'est plus qu'effectif. 50% de quoi? De vie? De vie sans armure, je te trouve confiant. Hein. Il suffit qu'il y ait un mec qui a une dague, il me fait un one-shot, quoi. Ah, 50% d'XP, pardon. Oui, effectivement. Pardon, j'avais pas... Mais oui, effectivement, je comprends tout à fait. C'est vrai que... C'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais... Ah, j'avais oublié, c'est un château ici. Merde. Est-ce qu'ils ont un temple? Ils ont pas de temple, en plus. Alors du coup, niveau ça... Ouais, on n'a pas assez, et c'est beaucoup trop cher. On va vendre ce truc, on va garder le reste pour un éventuel piou-piou. Mais du coup, c'était le bout de la route, faut qu'on redescende. Ça peut aider le moral, ouais, c'est vrai. J'aurais pu boire un coup, mais... Ah putain. Ils ont pas envie de m'attaquer, semblerait-il. Ah bah où la supply caravane, elle redescend ou elle monte? Ok, elle monte. Ça a l'air d'être plutôt propre cette route, là il y a des caravanes, des paysans. On va tenter d'aller par là, voir ce qu'il y a de beau. Ah, il y a de la bestiole. Des Dire Wolves qui sont en train de se faire... Ah oui, de se faire défoncer le cul. Bon, parfait. Franchement, cette ville, elle a une sacrée compagnie pour une ville qui a juste un workshop. Et leur compagnie, en plus, elle va se balader un peu partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, un accident tragique! Ça veut dire qu'on devrait trouver des mineurs, c'est ça, ouais. Okay. Ah, un petit apprenti. Bon, c'est pas le sujet pour le moment. 400 couronnes. Le dé de la destinée dans des ruines. Aïe! Ça, c'est quoi? Une caravane. Caravane à deux jours. Alors on en est où? 70. On tourne de 52 fatigue. Bah, de toute façon, on n'a pas ce qu'il faut pour soigner ça, donc on est obligé d'attendre. Là, ça coûte toujours une blinde. Bah, on va y aller, allez. Hyper confiant, le mec. Tout là-bas. Un peu de bol, il y aura 3-4 morbacs. En général, dans les ruines, il y a moyen de se placer contre des piliers ou des trucs du style et ça aide un petit peu à la... au placement. Le nuage qui nous cache la vue, c'est terrible. Normalement, on verra rien. Ce sera une de nos garnisons jusqu'au bout. Ouais. Le feu roi doit mourir. Alors, du coup, il y a ça qui bloque. Sinon, il y a un arbre. Alors, on pourrait avancer. Est-ce qu'on peut atteindre cette zone?
Éventuellement, ils peuvent se mettre à deux là, à deux là. C'est pas si mal. On fout le chien et on ferme un truc de plus. Ah merde, ils étaient ici. Peut-être pas un bon choix. Ok. Bon, l'avantage c'est qu'ils optimisent pas trop leur mur de bouclier vu qu'ils sont pas dans une grande ligne. L'inconvénient c'est qu'on va prendre hyper cher. Alors lui il a pas levé son bouclier encore. Attends, on l'aura quand même. On est d'accord qu'on a aucun endroit. Non. À 4, normalement, on devrait pouvoir les gérer, mais il faut qu'on touche. Hein. Ok, ils mettent pas leur bouclier ici. Lui, il a mis son bouclier. Lui, il l'a pas mis. Ok, parfait. Normalement, on les one-shot, quoi, ceux-là. Mais le problème, c'est de les toucher, quoi. Alors, du coup... Là, il a mis son bouclier... 40, alors du coup, on va lâcher le chien. Ah merde, on a plus assez de fatigue, c'est vrai qu'on a le 20%, on fait chier. C'est pas grave, il va nous aider quand même. Quitte à ce que ce soit lui qui prenne. Pas lui qui prend. Lui, il a pas mis son bouclier. Ok, là on a combien? 45, 58. Oh non, mais allez. C'est bon. Putain. Le jeu il aide pas aussi quoi. Ah ils nous font tomber le moral en plus. Bon. Ah merde. Ah non. Ouais bah c'est ça le problème hein. C'est leur truc qui fait que... Quand il touche à la vie, ça fait des tests de morale. C'est la mort. Dommage. Le jeu joue juste, mais tu es comme Zebus, trop confiant. Bah... Dis-moi comment t'aurais géré ce combat différemment. Je suis curieux du coup. Je suis curieux. Du coup, on va arrêter l'épisode de Veodella, par contre. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!